Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Dying Light 2, on est sur PS5, je vais vous montrer, je me suis mis en mode performance, il y a un mode qualité qui rajoute du ray tracing et un mode résolution qui permet de jouer en 4K natif. On va se mettre en mode performance parce que d'après les premiers retours, au niveau technique il n'est pas encore très bien optimisé et donc je préfère avoir un 60 images secondes constant pour ce jeu là. Que d'avoir des baisses de framerate. On va se mettre en normal et on va se découvrir ça. J'espère que la capture va bien aller, que tout va fonctionner correctement. On va se faire une découverte tranquille. Je ferai peut-être un stream sur ce jeu, du coup, parce que je l'ai pris sur PS5 pour essayer de jouer avec un pote quand on aura le temps. À l'époque, on avait fait le 1 en coop, mais aujourd'hui, bon, on est parents, on a du boulot, on n'est plus à l'école, donc... Quoique, on était déjà plus... Moi, j'étais déjà plus à l'école au moment du 1, mais bon... Oh, par contre, le son il est fort dans mes oreillettes là. Oh, j'aurais dû régler ça avant. Wouhou ! Tu l'as toujours en toi. Ce jeu était plus drôle avant. T'étais plus jeune aussi. Et plus bête. Ce qui compte, c'est que tu sois toujours rapide. Parce qu'un pèlerin lancé, ouais, un pèlerin mort, je sais. Monte ici, je vais te montrer un truc. Ouais, là, c'est bien fluide, voilà. Moi, c'est ça que je veux. Ok, bah moi, je veux bien... Ah, c'est R1. Il va falloir le temps de se remettre le truc en main parce que j'avoue, R1 pour sauter, j'étais pas prêt. Mec, t'es encore fort. Ouais, comment je m'accroche là? Comment j'y vais là? Ah, attendez. On va monter là. Hop. Merci. C'est bon de te voir, Spike. Ça fait combien de temps? Beaucoup trop longtemps. Mais ne deviens pas trop sentimental. Où est-ce qu'on va? Tu verras. C'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? La plupart des pèlerins ne tiennent pas 2 ou 3 ans sur la route. Alors que toi, ça fait 4 ans que t'es là. Et tu es toujours en vie? Et oui, mon pote. Toi aussi? Je sais, mais je suis vraiment génial. Ok. Ouais, c'est ça. Sérieusement, j'aurais aimé avoir autant d'énergie que toi. T'as une nouvelle piste pour... Bon, c'est pas mal quand même, hein. On a perdu sa trace après New Paris. Du coup, en mode... Même en mode performance... Baines, quel trou perdu. Il reste 5... Il y a des effets de lumière qui sont sympas. Moi, j'aime... Je suis assez sensible aux effets de lumière. Moi, j'aime bien ça. Tu dois aller à Gary. Dans ce cas, je vais aller vers le nord. Après, c'est pas méga beau. C'est pas une claque, hein. Regarde, Aïe. Mais... Une ruche pleine de miel. On ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci se perdre, non? Ah, t'as raison. Regarde autour de toi. Il y a peut-être aussi de la camomille qui pousse ici. Ça, on l'avait déjà dans le premier, je crois. Mais c'est surtout important pour ce genre de jeu... d'avoir une fluidité parfaite, moi, je trouve. Par contre, j'ai le réflexe de vouloir appuyer sur X pour... On se connaît depuis longtemps. On y est. Allez. Bon, c'est une découverte, hein, donc au début, il va pas se passer grand-chose. Je pense que je vous ferai
Peut-être que je ferai des cuts là aussi pour qu'on puisse. Ah, d'accord. Pour qu'on puisse aller plus loin, mais je pense surtout que je vais streamer sur ce jeu. Et si on peut streamer en coop, ce serait sympa. C'est verrouillé. Je vais essayer de passer par là. Tu vérifies de l'autre côté. Prends tout ce qui peut servir. Ok. Moi, je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise dans cette baraque. Je sens le truc qui va me sauter à la gueule ou... Ok. Il est chelou, lui. Du riz. On va la ramasser, ça peut servir. Je sais pas encore à quoi, mais bon. Je me dis qu'en temps de survie, de la bouffe. Y a rien ici. De la bouffe, du tissu, ouais, tout ça. Ça peut toujours servir. Une fête. Mais d'ici là, le GRE aura perdu le contrôle du virus depuis longtemps. Moi, j'aime bien le visuel, là, j'aime bien... Enfin, je vous dis, j'aime bien les effets de lumière. Il est chelou, lui. Je vous dis, il a senti quelque chose, à mon avis. Il tousse et tout, je crois que... Il va se transformer, ce con. J'utilise beaucoup l'instinct de survie, hein. Je me demande quel goût avait le vin à l'époque. Ouais. Je pense que là, c'est ce qu'il faut se dire. Au moins, ils sont morts ensemble. Elle avait de la classe. C'est triste, mais bon, au moins... Chère Marie, je suis désolé de t'avoir fui. On dit qu'une fois que le virus te transforme, on part pour toujours. C'est pas possible. Je sais qu'il y a encore de toi là-dedans. Sous toute cette peine et cette maladie, je viens te rejoindre. Plus de fuite. Oh. Aiden, viens, regarde ça. Est-ce qu'on peut y aller en escaladant ou pas? Assieds-toi, mon pote. Tiens. Un cadeau? Un cadeau du ciel, pour être plus précis. Je viens de le trouver près du cadavre de son propriétaire. Puisse-t-il t'être plus utile? Tiens.
t'es tombé à plat. Regarde-toi, avec ton palais sophistiqué, bois. Qui aurait cru que la fin du monde pourrait être si paisible ? Au moins jusqu'à ce que la nuit tombe. Vrai. J'aurais aimé que Crane puisse voir ça. Qui ? Peu importe. Oui, Crane, c'était pas le héros du 1, ça, Crane ? J'ai traqué ce type pour toi. Quoi ? Quel gars ? Arrête de faire semblant. T'es devenu un pèlerin pour traquer cet enculé. Walt, j'ai trouvé quelqu'un qu'il connaît. Quoi ? Et tu me le dis que maintenant ? Quand je t'ai filé une bière, j'ai pensé que tu devinerais qu'on fêtait un truc. Le gars est à Vildor. Il est censé savoir quelque chose sur Walt. Vildor. Je suis donc aussi près du but. J'ai un service à te demander. Tu peux livrer ça à Gary ? C'est sur ton chemin. Les gens aiment pas les pèlerins là-bas, mais ils paient bien. Et où les gens aiment-ils les pèlerins, Aiden ? Ils ont peur de nous. Chacun fait comme il peut pour survivre. Peut-être. Mais quand quelque chose doit être transporté à travers les hordes infectées, alors soudainement, il frappe à nos portes. Il a pas tort. D'accord. Mais tu m'en dois une. Oh, pas qu'une seule. Et ce type, alors ? Eh ben, je l'ai parlé à la radio. Il ne m'a pas dit son nom. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Tu vois l'antenne sur la colline ? Elle t'aidera à contacter le gars. Il vous écoutera à l'aube, sur la fréquence de 140.200 MHz. Je lui ai dit qu'il aurait bientôt de tes nouvelles. Qu'est-ce qu'il veut en retour ? Il l'a pas dit. Mais il n'avait pas l'air du genre de gars qui fait les choses gratuitement. Je crois pas que ce genre de gars existe. Quoi ? Et moi alors ? T'es un vieux schnock qui aime faire la course, et qui me fait poser des questions sur sa tarée de copine. Elle est pas folle. Jen est juste un peu... une tête brûlée. Et elle arrive toujours à se mettre dans le pétrin. Mais si tu pouvais la voir... D'accord, il est encore trop tôt dans la soirée pour ce genre de discussion. Les yeux. J'allais dire les yeux. Beaux. D'acier. Énorme. J'ai jamais entendu personne s'énerver autant pour des yeux gris. Parce que tu connais rien du monde. Et encore moins des femmes. T'as peut-être raison. Je te le dis, je finirai par trouver Jane. Et on construira une maison. On y vivra. Personne ne nous chassera. Et j'arrêterai de me balader comme un crétin. Je vois ça. Tout ce qu'on peut te souhaiter, mon pote. Et ce Walt, c'est quoi son problème ? Il est de ta famille ? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu le cherches ? Tu vas me le dire un jour ? Ouais, un jour peut-être. Bien. Mon temps est écoulé. Quand est-ce que je te revois, hein ? Dans 2 ans ? Peut-être. Prends soin de toi. J'espère que tu trouveras ce Walt, ou qui que ce soit d'autre. Et rappelle-toi, 140.200 MHz, à l'aube. Le gars t'attend. Mais là, il va bientôt faire nuit, en fait. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'y aller maintenant ? TH étendu. Ouais, ça ouvre pas grand. Oula, attention. Ça change pas grand chose. Je peux mettre une arme dans mes mains, on sait jamais.
J'aime pas trop tous ces bruits qu'on entend. Ouais, là-bas. Je peux sortir une arme, s'il vous plaît? Donc, normalement, ça utilise les gâchettes adaptatives, tout ça. Ah, des mordeurs. Ouais, je le sens, donc. Je sens que la gâchette, elle a une résistance quand j'appuie. T'es pas mort encore, toi? Ah, c'est peut-être pas le même. On va ramasser la camomille, tout ça. Faut vraiment passer par ce tunnel ou on peut passer au-dessus? Parce que j'ai moyennement confiance. Ah, le tunnel, il est blindé. Il va falloir qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Bon, franchement, ça va, visuellement, c'est assez sympa. On peut descendre? On peut descendre? Bon, là, comment ça se passe? Un point de compétence. Ah, donc c'est des points de compétence là en parcours, ouais, à force d'escalader des trucs, tout ça. Ok, donc après on a des points de compétence en combat aussi. Et après on a une immunité la nuit, ouais. Oui, parce que ça. J'y suis presque. Un truc que j'ai pas dit, mais la nuit, maintenant, on a un chronomètre. Et si on n'arrive pas dans un truc avec des lampes UV... Il fait déjà sombre. Il est temps de me planquer quelque part pour la nuit. Ça pourrait pas être mieux. Pas l'attraper, hein? Ah putain. Quelqu'un les a déplacés. Il y a pas longtemps. Ça a été déplacé. Ok, essayons. Station de diffusion. Faut démarrer le générateur. Ah, c'est mort. Il faut rétablir le courant. Faut que je redescende dans l'autre bâtiment, là. Là, je sens que les gâchettes sont plus dures quand j'essaye. Celle de droite, elle est plus dure. Ah,
sais pas où il est, l'autre. C'est plus d'endurance. Il est où l'autre? Il est là, l'enculé. Tu vas pas fuir cette fois, petit bâtard. Putain! Bon, vous allez entendre la manette. Ouais, j'avoue, la gâchette, je suis pas habitué, du coup, pour l'instant, je jouais pas au jeu PS5, c'est vrai, que je vous ai. On fait que de la Xbox pour le moment. Et Et comment dire? Bah la gâchette. La gâchette, elle est assez dure. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Genre dans Gran Turismo. Ok, donc là. Voilà, donc on a les lumières UV. On peut attendre jusqu'au matin, ouais, c'est bien ça. Psst. Hayden. Hayden, bébé Hayden. On court ou quoi? Mais genre, maintenant? Non, quand on sera vieux. Maintenant, Heidi. On a besoin de matos. Tout est prêt. C'est tellement calme. Où sont-ils tous? Peut-être qu'ils sont tous morts. T'es stupide. Allons-y. Maintenant. Attends ici. Qu'est-ce que c'est que cette bande de mecs chelous? Rien de bon n'en sortira. Tu as amené 12346? On était censé ramener les patients en ville. T'inquiète pas, ils vont nous laisser partir. Heidi, j'ai peur. Je suis là. Tu n'as rien à craindre. Je sens que malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Le fameux Wals, il est là-bas, ce petit bâtard. Je pense qu'il y a eu un truc avec la petite sœur. Doucement. Tu vois, petite sœur? Même s'il nous sépare, c'est comme ça qu'on se retrouvera toujours. On n'y arrivera pas. L'armée sera là à tout moment. Attends. Ferme tes yeux. Il y a toujours des petits bâtards hein, dans ce genre de... C'est pas ce qu'il a fait, mais bon.
On le sait, hein, quand on fait ce genre de... Enfin, quand il y a ce genre d'événement, même, il y a quand même toujours des bâtards pour faire des trucs horribles alors que le monde est déjà dans une situation horrible. Mais il y a toujours des mecs pour faire pire. Bon. Non, on voit qui c'est ce Waltz là et on voit pourquoi ils veulent. Pourquoi ils veulent niquer. Oui, on dit ça. C'est Hayden. Je suis sur la fréquence 140.200 MHz. Salut, Hayden? Oui, je devais vous contacter. Je pensais que t'avais changé d'avis. Pourquoi est-ce que tu cherches Waltz, Pèlerin ? Pour trouver quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Mia. Il y a 15 ans, on était ensemble dans un hôpital et... Je sais qui tu cherches, Hayden. Tu veux savoir pourquoi Waltz faisait ses expériences sur vous tous ? Pourquoi tu es plus fort, plus endurant que les autres ? Je veux juste trouver Mia. Je la cherche depuis que j'ai quitté le camp des survivants. Tu peux m'aider ou pas? Peut-être. Rencontrons-nous, Pèlerin. Où et quand? À l'entrée du tunnel du métro, près de la baie. Tu peux entrer dans les tunnels par une trappe ouverte du GRE. Je te retrouve là-bas. J'imagine que tu fais pas ça gratuitement. Je dois quitter la ville, mais je m'en sortirai pas seul dehors. Amène-moi à New Paris et on sera quitte. Sur le chemin, je te raconterai tout ce que je sais. C'est pas mal, hein. Terminé. Là, franchement... Attends, il faut au moins que je sache si elle est encore en vie. Elle est en vie. Je vais au rendez-vous. On se voit plus tard, Hayden. Franchement... Est-ce qu'on continue ou pas ? On va continuer jusqu'au métro. Là, vous voyez, enfin, je sais pas si vous le verrez sur la capture. J'espère que ça va donner quelque chose de correct, la capture. On voit un léger flou par moment. C'est dû à la... au fait qu'on joue... Ouh là là. Ouh, je sais pas si c'était une bonne idée, ça. Bah non. C'est dû au fait qu'on soit en mode performance. Mais en dehors de ça... Voilà. Hop, il y a une corde là. J'avais pas vu. J'entre dans les tunnels. Hé hey, tu m'entends? Je te rejoins bientôt. J'arrive. Il y a des voix connues, hein. Je sens que je vais me faire surprendre dans ces foutus tunnels. Hé hey, y a quelqu'un? Ça a pas l'air bon. Ah bah c'est sûr que non, hein. Des tunnels dans le noir comme ça, dans un jeu avec des zombies. Oh mon dieu. Oh merde. C'est pas très cool, ça.
bien? Ce fumier m'a mordu. Un rapace. Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts. Vite à la lumière. Ah, plus tard. Faut qu'on file. Résiste. Ça va passer. Reste fort. Ouais. Il l'a pas sur lui. Allons-y! Je n'ai pas la clé, je le jure. Ouais, il y a plusieurs factions dans le jeu. Je vais te chercher, mon pote. Enfin, je vais te chercher. Quand j'arriverai à sauter correctement. Mais bon, je vous dis qu'on va s'arrêter depuis tout à l'heure, puis au final, on continue encore et encore. Allez, gamin. C'était qui? On n'a pas le temps. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvé. On ne peut pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur? Où est Mia? Tu vas aller au fichaille. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. Avec ça et son aide, tu sauras. Tu sauras tout. Compris? Protège-la. Si Waltz la récupère, la ville tout entière. Tout le monde mourra. Waltz? Est-ce que Waltz est là? Ouais. Ils arrivent. Tu entends? Des renégats. Cours! On ira ensemble. Prends ça. Allons-y. Mm-hmm. C'est quoi ce bordel? Voilà, notre brevier est garé. Mais il n'est pas seul. Ouais, on peut réparer ça. Allez, tue-le! Une meilleure mobilité. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo, parce que là, elle est trop longue, même avec les cuts et tout, ça va être trop long. Donc, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.